Bonjour à tous les étudiants du lycée et aux autres étudiants bien sûr. Je sais que vous vivez des moments très durs, étudiés par ce temps-ci notamment. Je vous présente mes deux partenaires d'entraînement, Bob et Charlie. Également une simple balle. On y reviendra après. Commencez par un petit échauffement, dribble avec une balle. Bah, le tennis, ça suffit. De toute façon, c'est pas évident et vous déplacez. Vous pouvez prendre une balle. Là, de temps en temps, quelques petits mouvements de boxe dans le vide. Et je me déplace autour. Je peux également prendre deux morceaux de pneus. Voilà, ici. Et je me déplace, toujours en sautillant. Un pied. Un pied, sans toucher les pneus, un pied. Ensuite, un peu de saut à la corde. Corde à sauter. Suivant votre niveau, soit vous y allez fort, soit vous comptez 30 fois, 30 répétitions. Voilà, je suis parti. Et à respirer, on peut le faire. Si on ne sait pas sauter à la corde, à une main, vous vous déplacez. Attention à ne pas vous frapper. Et attention au lustre. Je me suis fabriqué des haltères avec des packs d'eau que vous allez trouver dans les grandes surfaces. Là, vous faites des mouvements de musculation comme si c'était des haltères de 5 kg biceps. On peut également écarter, vous allez voir, c'est pas du tout facile à faire. Donc je compte les cadences, 1, 2, 3, 4, 5, on peut le faire avec une bouteille, activation latérale, biceps et même triceps. C'est trop lourd les 5 kg, vous prenez des bouteilles, d'un litre 25, et vous travaillez des mouvements de boxe avec des bouteilles d'un litre 25 ou des 50 centilitres. Des mouvements directs, crochet, uppercut. Vous pouvez mettre certains coups de pied dans les mouvements, etc. J'en reviens à mes deux potes. Bob et Charlie. Donc si vous n'avez pas de box, ok, si vous n'avez pas, donc, vous pouvez vous fabriquer avec des pneus, des vieux pneus qui traînent dans votre garage et vous faites un sac frappé dedans. Ou bien prenez un coussin de chez vous, embourré, vous mettez des vêtements dedans ou autour, vous le posez sur une poubelle et vous êtes parti. Et vous êtes parti pour vous défouler contre la cible ici présente. Voilà. Ensuite, nous passons un tapis. Si vous n'avez pas de tapis, vous prenez un drap de bain. Ici, moi, dans ce cas-ci, j'ai deux poignées. Là, vous faites pompage. Serrez bien les coudes. Plus vous allez serrer les coudes, plus c'est difficile sur les genoux ou sur les pieds. Descendez, vous remontez la tête vers le bas. 3, 2, 1. On peut rapprocher. Plus on rapproche, c'est difficile. Plus on écarte, plus c'est facile. Et bien, vous les faites rapprocher. Voilà. Pas ses poignets, vous les faites écarter, rapprocher. On peut également faire des abdominaux, abdominaux obliques, comme on fait au club de Louvain-la-Neuve. Vous changez de côté. On peut également faire les croisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
dit celui-ci est un des plus complets. Un peu de gainage, 30 secondes, une minute ou deux minutes pour les bras, sur les avant-bras, sur le côté. On peut le faire de l'autre côté. Voilà, je termine avec quelques haltères, soit des 5 kg, soit des 1 kg, biceps, debout ou assis, élévation latérale, écartée, vous pouvez mélanger les trois, alterner avec le sourire. Je terminerai avec ma bouteille. La bouteille d'eau, bien sûr. Et je vous dis, santé. Et bon apéro après l'effort, le réconfort. Courage à tous, bougez-vous et restez chez vous. Merci à vous. À bientôt le plus vite possible.